suivez. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5. De retour sur le cours central pour le tout début du deuxième simple de la première journée de la rencontre France-Tchécoslovaquie entre le français Pascal Porte et le tchécoslovaque Ivan Lendl. Pascal Porte au service dans le premier jeu de ce deuxième simple. Logique, un très beau retour de Lendl dans les pieds de Pascal Porte qui n'a pu volleyer correctement. Deuxième double faute pour le français, 15-40 et deux balles de 4 jeux à 1 pour le tchécoslovaque Ivan Lendl. Ah, c'est vraiment remarquable. Lendl qui progresse à grands pas et se rapproche très rapidement vers l'élite du tennis mondial. D'ailleurs, Björn Borg, lorsqu'on lui pose la question, dit que parmi les jeunes, il y en a trois qu'il voit arriver très très rapidement au sommet. José Luis Clerc, l'Argentin, Yannick Noah, le Français, et Ivan Lendl, le Tchécoslovaque. Alors que Françoise Boulin remonte au ralenti, cette volée haute de revers de Pascal Porte et ce passing de revers croisé d'Ivan Lendl, vraiment du très beau tennis actuellement. Lendl en compagnie de son capitaine, le docteur Holm. Il vient de lui donner probablement du sel car il fait très très chaud et on se déshydrate très rapidement aujourd'hui sur le central du Sporting Club de Vichy. Lendl qui parfois souffre de crampes. L'an dernier, Pascal Porte avait remporté ce match face à Ivan Lendl en détruisant, si je puis m'exprimer ainsi, physiquement le tchécoslovaque. Mais Ivan Lendl a accompli beaucoup de progrès ces derniers temps, alors que Lendl... Il y a une petite discussion entre le juge arbitre et Ivan Lendl, qui lui demande de regagner son coin, Lendl précisant qu'il y avait 1 minute 30 au changement de côté. Et il a raison, il suit en cela à la lettre le règlement. Alors que au cours des internationaux de France, les joueurs n'avaient qu'une minute au changement de côté. Au service Lendl qui mène par 4 jeux à 1. Thank you.
Généraux. Ah, cette balle est pleine ligne, selon moi. Il me semble voir la trace sur la ligne. Il a donné out. Vous corrigez ou... Non, c'est un ace. Bon, un ace alors. Pascal Porte qui reste à la même place, mais qui a tort, selon moi, de protester. Certes, le juge de ligne a donné cette balle faute, mais il n'y a pas de problème. Et Lendl a raison sur ce point précis. Il a bien servi un ace. C'est effectivement très clair. Le juge de ligne va voir. Oui. Ivan, allez, first serve. 2.3. Le juge arbitre Renal de Combastel demandant à Lendl de remettre deux balles. Le joueur tchécoslovaque s'y refusant, du moins pour l'instant. Mais voilà, tout rentre dans l'ordre et Lendl va servir de nouveau deux balles. Le joueur tchécoslovaque qui risque de se mettre à dos le public en contestant beaucoup de choses, les spectateurs, les juges de ligne, le juge arbitre. Elle est bonne. Quoique l'autre l'ait été aussi. Égalité. Avantage Lendl. Et qui possède maintenant une balle de 5 jeux à 1. Score bien sévère pour Pascal Porte, mais tous les jeux vont pratiquement aux avantages.
c'est fort bien fait car l'attaque de Pascal Porte était excellente. Au centre et très profonde. Un très beau passing shot de revers le long de la ligne du Tchécoslovaque qui mène maintenant par 5 jeux à 1 dans ce premier set. Ça va très très vite. 0-15. L'entrée. 0-30. Trois balles de 7 pour Ivan Lendl sur le service de Pascal Porte. Mal placé sur ce revers, Pascal Porte, qui perd pour la troisième fois dans ce set son service. Et par la même occasion, le premier set, en un peu plus de 30 minutes, 6 jeux à 1. Mais répétons-le, tous les jeux vont aux avantages. Et Pascal Porte, s'il paraît bien entendu gêné dans ses déplacements et dans la mesure où son jeu est basé essentiellement sur un placement parfait. Pascal Porte qui a bien du mal actuellement dans les échanges qui durent du fond du court et qui, à l'exclusion de ce dernier jeu, aura fait exactement ce qu'il fallait faire. L'important est pour lui aujourd'hui aussi de fatiguer le plus possible Ivan Lendl, qui devra jouer en double demain, associé à son camarade Miroslav Lasek, et puis face à Yannick Noah dans le premier match, un match qui pourrait être décisif pour la victoire de l'une ou l'autre équipe dans cette Coupe de Galéa 1979. Cette fois-ci, Ivan Lendl est déjà en place. C'est lui qui va servir le premier dans ce second set. Deuxième set, service Tchécoslovaquie. Love.
Ah, et puis en plus, il trouve des angles incroyables, Händel. 30-0. Il ne commet vraiment aucune faute. Vraiment un joueur remarquable. Faire. Une fois encore, l'attaque de Porte était excellente. 40-0, 3 balles de 1 jeu à 0 pour le jeune joueur tchécoslovaque dans le début du second set. Jeu tchécoslovaquie qui mène donc un jeu à zéro dans ce deuxième set. Ivan Lendl qui n'a toujours pas perdu son service depuis le début de la rencontre. Qui joue très bien, qui est maintenant âgé de 19 ans, tout comme Yannick Noah. Un mois sépare les deux hommes. Lendl étant âgé, un peu plus âgé. Ivan Lendl qui est vraiment le pilier maintenant de l'équipe de Tchécoslovaquie, qui a remporté les championnats nationaux de son pays l'année dernière et qui est le premier joueur tchécoslovaque aujourd'hui. Ivan Lendl qui par ailleurs poursuit ses études. Après avoir passé ce qui correspond chez nous au baccalauréat, eh bien, Lendl rentrera en septembre prochain à l'université pour poursuivre des études d'économie. Nous vous invitons maintenant à suivre en direct les 10 dernières minutes de ce même match, France-Tchécoslovaquie. Et bien sûr, les commentaires sont toujours d'Hervé Dutuy. Voici donc, je vous rappelle, les 10 dernières minutes de ce même match. Là, c'est très bien fait de la part de Lendl. 0-30 balles. 0-30. Un jeu que le Français ne doit absolument pas perdre. Thank you.
15 francs. Et non, malheureusement, 15,40 et 2 balles de 6 jeux à 5 pour le tchécoslovaque Lendl sur le service de Pascal Porte. Qui mène par 6 jeux à 5, 3e set. On le comprend, il vient de perdre son service à un moment très important de la partie après avoir obtenu une balle de 7 au jeu précédent. Pascal Porte qui est mené maintenant 6 jeux à 5 dans ce 3e set après avoir perdu les deux premiers, plus exactement 6-1, 6-3. Lendl va maintenant servir. Il n'a toujours pas perdu sa mise en jeu, c'est vous dire la difficulté de la tâche qui est proposée à Porte maintenant. Là, il était pourtant bien sur la balle. Pour la fraîcheur, c'est de l'eau froide. Le soleil, quoi. 30 seconds more. 30 secondes. Pascal Porte, qui, soyons-en sûrs, et sur ce qu'il nous a démontré aujourd'hui, va se battre à fond pour tenter de prendre le service de Lendl. Ivan Lendl a 2 points de la victoire dans ce 2e simple de la rencontre opposant la France à la Tchécoslovaquie. Elle est faute. 35. 30-15.
45, deux balles de match pour Lendl. Une seule aura suffi aux Tchécoslovaques pour remporter ce match en 3-7, 6-1, 6-3, 7-5. Une rencontre où Pascal Porte néanmoins n'aura pas déçu et où il se sera bien battu. Bien sûr, c'est un petit peu une déception car Pascal Porte aurait très bien pu remporter ce troisième set dans lequel il a obtenu une balle de 7. Malheureusement, Lendl aura fort bien joué tout au cours de cette partie. Et c'est fort logiquement qu'il bat le Pascal Porte, apportant le point d'égalisation à son équipe. Demain, le double sera capital et je vous propose de vous retrouver demain après-midi donc pour assister en direct à ce double entre la France et la Tchécoslovaquie. C'était un reportage d'Hervé Ducu réalisé par Françoise Boulin avec le concours de la Société française de production. À vous, Paris.